Bonjour, j'espère que tu as eu un bon week-end. Je viens de finir ma méditation et j'ai eu comme message, ou je ne sais pas comment on peut qualifier cela, de me connecter ici sur la page pour demander si toi tu traverses pour le moment une période compliquée, un moment où tu as l'impression de te perdre ou de ne pas savoir quelle décision prendre, tu te sens un peu ouais, perdu, seul, tu as des énergies en baisse et tu sais pas très bien où tu vas. Et surtout, ça te paraît lourd et difficile et tu souffres de cela. Et si c'est le cas et que tu veux vraiment voir plus clair et que surtout tu aurais envie de quelqu'un qui est à tes côtés, pour t'accompagner, pour te dire, ah, est-ce que tu as vu ça chez toi? Parce qu'en fait, nous avons besoin d'un miroir pour nous voir. Et de l'extérieur, quelqu'un peut regarder une situation, peut regarder ta manière de fonctionner et t'aider d'aller d'une situation où tu te trouves vers une nouvelle situation que tu voudrais avoir. C'est aussi simple que ça. Et faire ce chemin seul, c'est tout à fait possible. On peut se perdre sur ce chemin et ce qu'on fait très souvent. Ou bien alors, il est tellement effrayant qu'on va procrastiner. Il est tellement effrayant qu'on va dire, ok, je me mets une journée au lit et j'attends que ça passe. Évidemment, tu sais que tu dois avancer. La vie, elle est comme ça. Si toi, tu restes là où tu es maintenant, et que tu ne bouges pas, ou que tu essayes de résister ou de freiner, le signe direct pour savoir ce qui se passe chez toi, c'est que dans ta vie, c'est que ton énergie va baisser. Tu vas peut-être même tomber malade, avoir des symptômes. Et le corps, il parle, il exprime ce que tu ne peux peut-être pas exprimer en mots dans ta vie. Et donc moi, je me suis formée pendant toute ma vie à voir ces signes, spécialement dans le corps, parce que je trouve que c'est un raccourci, c'est tellement plus facile d'avoir un accès à ce qui se passe à l'intérieur de toi et aussi à quelle est ta vision, où tu es censé aller dans ta vie. Et ce n'est pas compliqué du tout, nous le rendons compliqué en faisant les mauvais choix dans notre vie. Et donc si tu sens que tu as besoin de quelqu'un qui te tient la main pendant un petit bout de temps, je t'offre cela. C'est mon honneur d'accompagner les femmes dans un processus comme celui-ci. Et donc, si tu sens que tu as besoin de quelqu'un, j'ai décidé pendant ce mois d'été d'accompagner les personnes qui le veulent sur ce que je vais appeler un chemin, une transformation rapide, un mois de coaching. Si tu n'as jamais fait l'expérience d'un coaching, je crois que ça vaut vraiment la peine. Coucou Karine! Ça vaut vraiment la peine de essayer ça. La première fois que j'ai investi dans un coaching, j'ai investi en moi en réalité. J'ai fait un bond en avant comme jamais de ma vie parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc ça, c'est quelque chose que je peux te proposer et on fait ça rapidement, un mois, et tu en fais l'expérience et tu vois ce qui est possible pour toi. Peut-être tu ne connais pas ça. Beaucoup de gens croient que le coaching, c'est un truc de luxe. Moi, c'était le cas. Un truc qui uniquement les riches ou uniquement les, je sais pas, les cadres ou les hauts sportifs vont se permettre. Eh ben, c'est une erreur de croire cela. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent. C'est vraiment une erreur de croire cela. Parce que dans son chemin de vie, quand on peut avancer plus vite et aller plus profondément à l'intérieur dans cette transformation, toute ta vie, elle change. Et ça, c'est quand même un cadeau, un vrai cadeau. Donc, nous sommes en plein dans l'été, mois de juillet, mois d'août. Et quelle meilleure manière de faire pour préparer la rentrée? Pour être prête pour le mois de septembre, pour être une nouvelle version de toi, celle qui sait beaucoup plus, celle qui a fait un travail intérieur, celle qui voit plus clair, celle qui peut suivre son intuition et être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et la vie, elle change, ta vie, elle change, elle va devenir beaucoup plus lumineuse. Tu vas te rendre compte que tu as des choix dans ta vie que tu ne savais même pas que tu avais le choix.
Et donc, je ne veux pas être longue du tout. Je veux simplement dire que celles qui ont envie de faire cette expérience d'un accompagnement, d'un coaching avec moi, je suis disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous, jeanne.dora/rendez-vous. Je vais remettre le lien ici au-dessus. Et on va parler comme ça 20 minutes ensemble. Je t'explique comment ça se passe en coaching, comment moi je le fais, parce que j'ai ma propre manière que j'ai développée moi-même. Et voir aussi si c'est quelque chose que tu veux et si c'est le bon moment pour toi aussi. Donc, si ça t'intéresse, prends ce rendez-vous et on fait ça ensemble. Je te souhaite en tous les cas une magnifique semaine.